Bonjour, bonsoir, bienvenue sur notre communauté frigorifique, foire et bricoleur. Le but de cette vidéo aujourd'hui est de vous apprendre à faire la différence entre le thermostat de dégivrage et le thermostat. Alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, ne pas louper aucune de notre petite vidéo. Le thermostat de dégivrage et le thermostat. Donc, on pose toujours la question, pourquoi les deux en même temps dans un réfrigérateur no frost? Donc, et pour faire la différence, le thermostat du dégivrage, son rôle est de protéger le vaporateur dans les cas où la résistance du dégivrage achève son travail avant le temps réglementaire. Tandis que un thermostat permet de commander et de réguler la température d'un ou plusieurs appareils en même temps. Dans le mot commander, vous voyez comme une sorte d'interrupteur. C'est-à-dire, à travers le thermostat, vous pouvez fermer les circuits ou ouvrir les circuits là-dessus. En général, le rôle du thermostat est de permettre de maintenir une température optimale. Tel que, on peut prendre par exemple le compresseur de frigo. Lorsque le thermostat, lui, il atteint sa température, il coupe l'alimentation du courant. C'est-à-dire, le moteur reste hors tension. Après que la température est baissée, et il alimente le compresseur à nouveau. Tandis que pour un thermostat de dégivrage, il ne fait qu'enlever les givres qui est dans l'évaporateur sans couper le courant du moteur. Donc voilà les amis, on vient d'atteindre la fin de cette vidéo. Alors n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau pour ne pas louper aucune de notre nouvelle vidéo.